إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc nous continuons après cette petite interruption. Le livre Al-Wajiz, Fiqh Sunnati wa Kitab Al-Aziz. Nous étions, le cours précédent, nous avions parlé du fait de voir, de regarder Al-Makhtouba, la femme avec qui on a l'intention de se marier ou qu'on a l'intention de demander en mariage. Qu'est-ce qu'on avait dit au sujet de cette vision? Elle est autorisée, elle n'est pas autorisée, elle est autorisée sous quelle forme? Non. C'est ça. Elle est autorisée, et il y en a certains savants qui disent on regarde juste le visage ou bien tu regardes la femme, toute la partie que tu peux voir sans qu'elle soit consciente de ton regard. Non. Et il y a certains qui disent tu peux regarder tout ce que tu peux voir d'elle, même si... Ahsante. Il y a différents avis des savants à ce sujet. Certains savants disent que celui qui demande une femme en mariage ne doit voir d'elle que ses mains et son visage. Et d'autres savants disent qu'il est autorisé à celui qui veut demander une femme en mariage de se cacher, et lorsqu'il se cache, autrement dit qu'il espionne cette femme, qu'il lui est autorisé de voir tout ce qu'il peut de cette femme, sans qu'elle ne soit au courant. Et d'autres savants autorisent à celui qui demande une femme en mariage de voir de cette femme plus que les mains et le visage, même en sa présence, même sans se cacher. Et ils utilisent pour cela le fait ou l'acte qu'a fait Omar ibn Khattab radiallahu anhu lorsqu'il a demandé une femme en mariage, la femme d'un compagnon appelé Ali radiallahu anhu. Et Omar ibn Khattab radiallahu anhu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a découvert le mollet de cette femme et elle lui a répondu: je ne t'aurais pas autorisé cela si tu n'étais pas un calife ou si tu n'étais pas le gouverneur des musulmans. Donc, il y a trois avis des savants, et ceux qui n'autorisent pas à l'homme de regarder plus que les mains et le visage disent que le athar de Omar al-Khattab radiallahu anhu n'est pas authentique, que sa chaîne de transmission est faible, et donc dans ce cas de rester sur le fait que la femme ne doit montrer à l'homme, que ce soit un homme étranger à elle ou que ce soit un homme qui la demande en mariage, de ne montrer à cet homme que ses mains et son visage. Ensuite, on avait parlé de al-khitba. Quelle est la différence entre al-khitba et al-khutba? Naam. Khutba, c'est le discours. Ahsant. Al-khutba, c'est le discours, le prône. Al-khitba, c'est la demande en mariage. Et al-khitba, c'est la demande en mariage. Qu'est-ce qu'une demande en mariage en islam? Comment est-ce qu'elle se déroule? Comment est-ce qu'elle se passe? Naam. C'est d'aller voir le wali de la femme. Naam. Et de demander au wali s'il autorise de lui donner sa fille ou sa personne en mariage pour vivre avec elle. C'est de demander au tuteur de la femme ou d'exprimer le désir de vouloir se marier avec une femme et d'exprimer ce désir à son tuteur. Et est-ce qu'il y a des formules comme cela? Est-ce qu'il y a des formules bien précises à formuler? Non. Non. C'est ce qui est connu des gens. C'est ce qui est connu des gens.
ce qui est connu des gens dans l'endroit où ils vivent, le pays où ils vivent, la région où ils vivent. Chacun, chaque personne ou chaque tribu ou chaque ville ou chaque région a une façon bien précise de demander une femme en mariage, eh bien, cette façon doit être utilisée. Il n'y a pas de formule bien spécifique rapportée dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam quant au fait de demander en mariage. Et quand une personne demande en mariage une autre femme ou exprime son désir ou sa volonté de vouloir se marier, il y a certains jugements qui arrivent ensuite. Quels sont ces jugements ? Il n'est pas autorisé à quelqu'un d'autre d'aller demander cette personne. Hassan, il n'est pas autorisé d'aller demander une femme qui a déjà été demandée par ton frère. Et on avait cité, on avait expliqué ce hadith, que dans le hadith, le mot frère, le professeur Salem a utilisé cela car... Parce qu'à son temps, c'est là où il y avait plus de musulmans. Naam, car là où était le professeur Asselem, la plupart des gens étaient musulmans. Donc c'est pour cela que le professeur Asselem a dit que le musulman ne demande pas après la demande de son frère et qu'il ne vante pas après la vente de son frère. Et on avait dit que l'avis le plus sûr, Allah Alam, c'est que ce hadith est beaucoup plus vaste et qu'il englobe également les non-musulmans et qu'il est interdit de demander en mariage une femme qui a été demandée par un chrétien ou un juif. Et ceci par respect pour eux et aussi pour montrer une bonne image de l'islam et pour ne pas que ces non-musulmans traitent cette religion de religion barbare ou de religion sauvage ou de religion qui ne respecte pas l'être humain, le fait qu'un musulman ait demandé une femme que lui-même a demandé en mariage. Et on a dit également qu'il n'est pas autorisé de demander en mariage certaines catégories de femmes qui sont non. Sauf si la personne l'autorise. Bien sûr. Dans le hadith, le professeur Sam a dit sauf s'il autorise ou bien s'il. Sauf si cette personne qui a demandé en mariage t'autorise d'aller la demander ou bien si. Ou si il renonce lui. Ou si en fin de compte il renonce à se marier avec cette femme. Dans ce cas. Et dans ce cas uniquement, il est autorisé de demander en mariage cette femme. Ensuite, quels sont les types de femmes ou les catégories de femmes qui n'est pas autorisé de demander en mariage ? Les femmes qui sont en période de nidité, qui sont veuves. Les femmes qui sont veuves pendant la période de Idda, qui est de pour la femme veuve, de 4 mois et de 10 jours. Ensuite, les femmes qui viennent juste de divorcer, c'est-à-dire que pendant 3 mois, pendant trois périodes de menstruation. Les femmes qui ont été divorcées, les femmes divorcées pendant leur période de Idda, qui est de 3 menstrues. De 3 menstrues. Mais une femme qui a été divorcée une fois ou trois fois entre la deuxième et la troisième fois, et après la troisième fois. Dans tous les cas. Dans tous les cas, une femme... divorcée, il est interdit de la demander en mariage durant la période, durant la Idda. Si c'est une femme qui a été divorcée 3 fois, elle doit... Est-ce qu'elle doit observer la Idda ou pas? Non. Sachant qu'elle n'est plus autorisée à son mari jusqu'à ce qu'elle se remarie avec quelqu'un d'autre. Non. Elle doit faire sa Idda, même si cet homme n'est plus son mari. Et si elle n'a pas été divorcée, si elle était divorcée une fois ou deux, il est interdit de la demander en mariage car pendant cette idda, elle est toujours considérée comme la femme de cet homme. Taïb. Et on avait dit qu'il était autorisé de faire at-ta'rid, de faire en arabe, en français, c'est des allusions à qui ? À la veuve. Il est autorisé de faire des allusions à la veuve en disant par exemple j'aimerais me marier ou j'aimerais qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'accorde une femme pieuse. Et cette femme comprend de cela qu'il désire se marier. Mais en aucun cas, il ne le dit de façon directe. La veuve ou bien celle qui a été divorcée 3 fois. Ensuite, on a parlé de l'acte du mariage. On avait dit qu'il y avait deux piliers qui sont
En arabe, non? Al-Ijab ou Al-Qaboul. Al-Ijab qui est le fait de. L'Ijab provient de qui? Du père, c'est lui qui dit je te marie. Du père, de, ou plutôt ou de, du tuteur, ouais, si cette femme n'a pas de père. Du tuteur qui dit à l'homme qui désire se marier je te marie à ma fille. Et s'il a plusieurs filles, il doit nommer cette fille. Soit il la nomme par son nom, je te marie à ma fille Intel, à ma fille Fatima, à ma fille Khadija, etc. Ou bien s'il a qu'une seule fille, il n'est pas obligé de la nommer. Ou si cette fille est connue, a une caractéristique qui la définit des autres. Par exemple, je te marie à ma fille l'aînée, par exemple. Je te marie à ma fille la plus petite. Ou je te marie à ma fille qui a un trait qui la caractérise de ses autres sœurs, un trait qui en aucun cas ne laisse de doute ni ne laisse d'ambiguïté à dire est-ce que c'est elle ou est-ce que c'est l'autre. Taïb, donc Al-Ijab, c'est le fait que le tuteur dise je te donne ma fille en mariage. Et Al-Qaboul, ou bien Al-Ijab, on va dire c'est comme si, si on traduit littéralement, c'est de rendre obligatoire ou d'imposer. Le fait que le tuteur impose le mariage à cet homme, si on traduit littéralement. Et ensuite, le deuxième pilier de l'acte du mariage, c'est Al-Qaboul, c'est l'acceptation. L'homme qui demande un mariage doit accepter, doit dire Qabiltu zawaj, al-zawaj bi fulana, ou Qabiltu zawajaha. J'accepte le mariage avec cette fille, ou j'accepte de me marier avec ta fille. Ceux-ci sont deux piliers. Et c'est obligatoire. Si l'un des deux n'est pas respecté, l'acte du mariage n'est pas valide. Ensuite, il y a des conditions qu'on a vues. La première condition qui est... Non. La première condition. Al-Ola. L'autorisation du tuteur. L'autorisation du tuteur est une des conditions du mariage. L'accord du tuteur. Ensuite, la deuxième, qui est la présence de deux témoins. Car le professeur Hassan a dit « La nikaha illa biwali wa shahiday adlin » Il n'y a point de mariage sans l'accord du tuteur et la présence des deux témoins. Et ensuite, donc ce sont les deux conditions, et certains savants entrent comme troisième condition « al-mahar ». Certains savants considèrent comme la troisième condition la dot. Et ça, Inch'Allah, on va le voir dans le cours d'aujourd'hui. Certains savants le considèrent comme étant une condition, et d'autres savants le considèrent comme étant une obligation. Et c'est l'avis le plus sûr, Allah a'lam, c'est que as-sadaq, que la dot, c'est une obligation et ce n'est pas une condition. La différence, c'est que si ceux qui considèrent que c'est une condition, celui qui ne donne pas la dot, son mariage n'est pas valide. Et quant à ceux qui considèrent que c'est une obligation, celui qui ne donne pas la dot a fait un grave péché, mais ce grave péché n'annule pas l'acte de mariage. Taïb, ensuite, on avait parlé de l'obligation. Naam. Quand tu as cité les deux conditions du mariage, est-ce que l'acceptation du tuteur s'englobe l'acceptation de justement, ça on va le citer ensuite. C'est ce qui vient presque, on l'a vu la semaine dernière, c'est que le tuteur doit demander l'autorisation à la femme. C'est une obligation. Et que lorsque l'homme ou le père ou le tuteur de la femme la marie de force, qu'est-ce qu'il autorise à cette femme de faire? Soit de... Pourquoi le divorce tout de suite? Soit de rester avec cet homme, avec son mari, ou bien alors de refuser de demander le divorce. Ainsi a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné le choix à la femme qui avait été mariée de force par son père, Allahu a'lam. Tayyib, yaqulu al-mu'allif khutbatun nikah. Ensuite l'auteur parle du chapitre
du discours du mariage. وتستحب الخطبة بين يدي العقد. Et donc, il est préférable de faire un discours ou une exhortation avant l'acte du mariage. L'acte du mariage, comme on l'a dit avant, dont les deux conditions sont al-ijab wa al-qabul. وهي التي تسمى خطبة الحاجة ولفظها إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc, avant l'acte du mariage, il est demandé, recommandé à la personne qui anime l'acte de mariage de commencer par khutbat al-hajah, cette formule que le professeur sallam disait lorsqu'il commençait ses cours, ses exhortations, ses prêches, ses discours, etc. Et on avait déjà vu khutbat al-hajah à plusieurs reprises, notamment dans le bab de la prière du vendredi. On avait traduit cette formule et on en avait expliqué les mérites et les bienfaits. Et quant au fait de lire Al-Fatiha, cela n'a pas été rapporté dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car beaucoup considèrent que, ou croient, et ceci par leur manque de science, et c'est encore un appel aux musulmans d'apprendre leur religion, des sources véritables, et de ne pas hériter la religion de père en fils en suivant les traditions, etc. En aucun cas, dans aucun hadith du professeur sallam, ni dans la sunna du professeur sallam, ni rapporté par ses compagnons radhiyallahu anhum, il n'était cité le fait de lire Al-Fatiha au moment de l'acte du mariage. Il suffit de lire Khutbat al-Hajah que le tuteur demande à l'homme qui désire se marier de dire « Je te marie à ma fille », à l'homme d'accepter le mariage, et avec la présence des deux témoins, l'acte de mariage est alors conclu en totale concordance avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Istihbab wa tahni'a bin nikah. Le chapitre du fait qu'il est préféré et préférable de féliciter les personnes qui se marient. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ قال بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكما في خير. Selon Abu Huraira, le prophète صلى الله عليه وسلم, lorsqu'il voulait féliciter et invoquer en la faveur d'une personne qui s'est mariée, le prophète صلى الله عليه وسلم disait بارك الله لكم, qu'Allah vous bénisse, وبارك عليكم, et qu'Allah descende sur vous la bénédiction, wa jama'a baynakuma fi khayr, et qu'il vous rassemble et qu'il vous unisse dans le bien. Hadith authentique rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi. As-Sadaq, le chapitre de la dot, appelé en arabe As-Sadaq. Qala Allah ta'ala wa atu an-nisaa saduqatihinna nihlah. فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran selon le sens « Et donnez aux épouses leur mahr, c'est-à-dire leur dot, de bonne grâce, donnez-la sans considérer cela comme une contrainte. »
وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. Et si, de bon gré, elle vous laisse quelque chose, c'est-à-dire la femme, alors disposez-en à votre aise et de bon cœur. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, ordonne aux hommes de donner la dot aux femmes et autorise aux hommes d'utiliser cette dot à condition que la femme l'autorise et donne son accord et son agrément. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith, dans un hadith authentique, « La yahillu mal umri'in illa bitaybin min nafsi » ou comme a dit sallallahu alayhi wa sallam. Et dans un autre hadith plus général, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'argent d'une personne n'est autorisé ou n'est licite que lorsque cette personne le donne de bon gré. » Lorsque quelqu'un a de l'argent, l'argent est à lui. Il n'appartient à personne de l'utiliser. Que cette personne soit un homme ou une femme. Et il est autorisé d'utiliser cet argent à condition que le propriétaire de cet argent en donne l'accord et accepte cela, accepte cette utilisation. S'il n'y a pas l'accord, l'argent, le professeur Sam a dit, la yahillu n'est pas licite. C'est comme si tu consommais et que tu utilisais de l'argent haram, wal'iyadu billah. فَالصَّدَاقُ حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّجُلِ وَهُوَ مُلْكٌ لَهَا لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَبًا كَانَ أَوْ غَيْرُهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا إِذَا طَابَتِ الْمَرْأَةُ نَفْسًا بِهَذَا الْأَخْذِ. La dot est le droit de la femme sur l'homme. وَهُوَ مُلْكُ لَهَا. Et c'est sa propriété. C'est la propriété entière de la femme. لا يحل لأحد أبا كان أو غيره. Et il n'est pas autorisé, ou il n'est autorisé à personne, que ce soit le père de la fille ou autre, de prendre quelque chose de cette dot sans qu'elle ne soit d'accord et qu'elle n'accepte que l'on prenne ce bien ou cette partie de sa dot. ولم تجعل الشريعة حدا لقلته ولا لكثرته لكن حثت على تخفيف المهور وعدم المغالاة فيها تيسيرا لعملية الزواج. Et l'islam n'a pas donné de limite, n'a pas donné ni de minimum ni de maximum quant à la quantité de la dot. Mais l'islam a fortement conseillé de réduire la somme ou la quantité de la dot, et ceci pour ne pas entrer dans l'excès, mais aussi pour faciliter le mariage. Pour faciliter le mariage. Car plus la dot est grande et importante, et moins seront les personnes qui pourront se marier. Et plus la dot est simple et aisée, et plus les gens accourront vers le mariage et trouveront dans le mariage une facilité. Et le fait de faciliter le mariage et de permettre aux jeunes de se marier ne peut être qu'un bien. Et le professeur Hassan m'a dit « Ad-dalu ala al-khayri kafa'ili ». Celui qui montre le chemin du bien, c'est comme s'il il avait fait ce bien. Si tu montres à quelqu'un un moyen où tu le diriges vers un bien, et que cette personne, en fin de compte, fait ce bien, eh bien tu es considéré ou tu as la récompense de cette personne qui a accompli ce bien. Donc de montrer, de diriger vers un bien revient à le faire. وحتى لا يعرض عنه الشباب لكثرة مؤنته. Et aussi pour ne pas que les jeunes se détournent du mariage lorsqu'ils voient que pour l'accomplir, cela demande beaucoup d'efforts, cela demande beaucoup d'argent, cela sans doute va faire fuir les jeunes du mariage, et lorsqu'ils fuient du mariage, ils accourent vers les interdits. وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ. قَالَ تَعَالَى وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ
مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit: et si vous voulez substituer une épouse à une autre, c'est-à-dire si vous voulez vous marier avec une autre femme après avoir divorcé de la première, وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا, et que vous avez donné à l'une d'elles un qintar, et al qintar c'est de l'argent en grande quantité, c'est de l'argent en grande quantité. Autrement dit, lorsque vous vous mariez avec une autre femme après avoir divorcé de la première, et qu'à la première vous avez donné une grande quantité d'argent comme dot, Allah subhanahu wa ta'ala a dit فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا, ne prenez de cette dot rien du tout, ne prenez rien de ce que vous lui avez donné, car c'est son droit, car c'est son argent à elle et à personne d'autre. Naam. La dot, qui c'est qui doit fixer le montant, c'est la femme ou le tuteur? Il doit y avoir un accord entre celui qui demande, entre l'homme qui demande et la famille de la femme, que ce soit avec la femme ou avec le tuteur, il faut qu'il y ait un accord. Il faut que tout le monde soit d'accord sur le montant. Il n'y a pas en islam de personne qui est désignée pour fixer le prix de la dot. Allahu a'lam. Non. Et pour le paiement, est-ce que c'est possible que ce soit quelqu'un qui paye à votre place, par exemple, la page du livre? Allahu a'lam. L'adri. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Ata'khudhunahu buhtanan wa ithman mubina » l'auteur n'a pas cité la femme de ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: le prendriez-vous, atakhudhunahu buhtanan wa ithman mubina, le prendriez-vous avec injustice et péché manifeste? Yani, ce serait une injustice et un grand péché de reprendre l'argent que vous avez donné comme dot à vos femmes. وعن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه أثر سفرة, فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار, قال كم سقت إليها؟ قال زينة نواة من ذهب, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه. حديث متفق عليه. Et selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu, il rapporte que Abdurrahman ibn Auf radiyallahu ta'ala anhu est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, et il avait sur ses vêtements une trace jaune, une trace jaunâtre. Fasa'alahu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé sur cette tache. Et cette tache jaunâtre, c'était la trace d'un parfum qui sûrement était du safran à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il mettait beaucoup de safran, et le safran a une couleur jaunâtre, et lorsque la personne s'imprègne de parfum, elle imprègne également ses vêtements de couleur jaune. Et il était connu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam que ceux qui avaient l'habitude de se parfumer étaient les hommes mariés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui donnait beaucoup d'importance à ses compagnons et prenait soin d'eux, a vu cette trace jaunâtre sur les vêtements de Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a questionné: qu'est-ce que cela? Et les savants ont dit que cela n'est pas une indiscrétion de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit peut-être que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait entendu qu'Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu s'était marié, et qu'il a voulu lui demander cela pour en avoir la confirmation. Ou bien tout simplement car le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de prendre des nouvelles et de demander sur l'état de ses compagnons radiyallahu anhu.
Et Abdurrahman ibn Awf, radiallahu anhu, était un compagnon qui était riche, un des plus riches des compagnons, radiallahu anhu. Et il fait partie des muhajirines. Il fait partie des muhajirines, de ceux qui ont émigré de la Mecque vers Médine, ceux qui ont délaissé tous leurs biens et leur famille pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour émigrer vers Allah à Médine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les muhajirines sont venus de la Mecque, a désigné des gens de Médine, Al-Ansar, comme étant les frères d'un tel. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a désigné à Abdurrahman ibn Auf, qui venait de la Mecque, un compagnon parmi l'Ansar, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lié un lien de fraternité entre eux. Et ce compagnon, radiallahu anhu, qui est à Médine, a dit à Abdurrahman ibn Auf, je te donne la moitié de mon argent et je divorce d'une de mes deux femmes pour que tu puisses te marier avec elle. Et Abdurrahman ibn Auf, radiallahu anhu, lui a dit, barakallahu lak wa baraka laka fi ahlik. Et Abdurrahman ibn Auf, radiallahu anhu, lui a dit, qu'Allah te bénisse et bénisse ta famille. Puis, qu'est-ce qu'il lui a dit? Dullani ala souq. Abdurrahman ibn Auf, radiallahu anhu, a dit à ses compagnons, montre-moi où se trouve le marché. Autrement dit, Abdurrahman ibn Auf n'a pas accepté ni la moitié de l'argent, ni le fait de se marier avec l'une des deux femmes de ce compagnon, mais a préféré faire cela de lui-même et a demandé à ce compagnon de lui montrer où était le marché afin d'acheter et de vendre et ainsi de subvenir à ses besoins et de se marier par ses propres moyens. Et c'est ce qu'il a fait, radiallahu anhu, quelques jours après. Il est venu avec de l'argent, etc. Et peu de temps par la suite, il s'est marié, radiallahu anhu, Abdurrahman ibn Auf, s'est marié avec une femme de l'Ansar. Et c'est la réponse qu'il a donnée au prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il lui a demandé quel est au sujet de cette tâche. Abdurrahman ibn Auf, radiallahu anhu, lui a informé qu'il s'était marié avec une femme de l'Ansar, avec une femme des gens de Médine. Qala kam suqta ilayha. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, combien lui as-tu donné, c'est-à-dire en dot. Qala zinatu nawatin min zahab. Je lui ai donné le poids d'un noyau d'or, ou le poids de l'équivalent d'un noyau. Un nawa, c'est un noyau, ça peut être le noyau d'une olive, le noyau d'une date, etc., etc. Et certains savants ont estimé cela comme étant 5 dirhams d'or. Certains savants l'estiment à 5, d'autres à 3, et d'autres savants disent qu'il n'y a pas de preuve sur les 3 ni les 5, et qu'on doit rester sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui cite le noyau. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Aoulim walau bishah ». Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abdurrahman ibn Auf, fais la walima, ne serait-ce qu'avec une brebis. Et dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit l'invocation barakallahu lak wa baraka alayk wa jama'a baynakum afiq. طيب وعن سهل بن سعد قال إني لفي القوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قامت امرأة فقالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك فرى فيها رأيك فلم يجبها شيئا ثم قامت فقالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك فرى فيها رأيك ثم قامت الثالثة فقالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك فرى فيها رأيك فقام رجل فقال يا رسول الله أنكحنيها قال هل عندك من شيء قال لا قال اذهب فاطلب ولو خاتم من حديد فذهب وطلب ثم جاء فقال ما وجدت شيئا ولا خاتم من حديد قال هل معك من القرآن شيء قال معي سورة كذا وسورة كذا قال اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن. حديث متفق عليه. اسمه سهل ابن سعد رضي الله عنه. Il dit, j'étais avec un groupe
chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'une femme s'est levée et a dit « Ô envoyé d'Allah, je me donne à toi. » Ou plutôt elle lui a dit « Ô envoyé d'Allah, elle se donne à toi. » En parlant de elle-même. Elle n'a pas dit « Ô envoyé d'Allah, je me donne à toi. » Elle a dit « Ô envoyé d'Allah, elle se donne à toi. » En parlant de elle-même. فَرَفِهَا رَأْيَكَ. Donne-moi ton avis. Et الْهِبَة en arabe, elle a dit au prophète sallam, je me donne à toi. Et الْهِبَة, c'est le fait de donner quelque chose sans attendre de retour ou sans attendre de compensation. Et ceci est une des caractéristiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car, comme on a vu, parmi les conditions du mariage, parmi les obligations du mariage, il y a as-sadaq, il y a la dot. Mais il y a une spécificité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a une spécificité, c'est que si une femme s'offre à lui et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam accepte, alors c'est sa femme. Sans donner de compensation, sans donner de dot. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit cela dans le Coran, wa mara'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi in arada an nabi an yastankihaha. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala a dit khalisatan laka min duni al mu'minin. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, et si une femme croyante et une femme croyante, autrement dit, et il t'est autorisé de te marier avec une femme croyante, si elle offre sa personne au prophète, si le prophète désire se marier avec elle, cela est propre à toi et ne concerne pas les autres croyants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas répondu. Faqalat, elle s'est relevée. Une fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas répondu, elle s'est assise. Puis s'est relevée. Et elle dit, ô envoyé d'Allah, elle s'offre à toi. Donne ton avis. Le prophète sallallahu ne lui a pas répondu. Elle s'est assise, puis s'est relevée une troisième fois. Et elle dit, ô envoyé d'Allah, elle s'offre à toi, donne ton avis. Et les savants ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas répondu à cette femme. Et ceci, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne voulait pas la vexer. C'est un comportement louable du prophète sallallahu alayhi wa sallam et un respect envers cette femme de ne pas lui exprimer son refus. Car dans d'autres versions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a regardé de haut en bas la première fois. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a baissé sa tête et ne l'a plus regardé. Et les savants ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a regardé cette femme car dans cette situation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était considéré comme étant un khatib. Le prophète sallam était considéré comme étant un khatib, un demandeur, car elle s'est offerte à lui. Elle s'est offerte au prophète sallam. Donc le prophète sallam, dans cette situation, est considéré comme demandeur, comme étant une personne apte à pouvoir se marier avec cette femme. Et c'est pour cela que le prophète sallam l'a regardé de bas en haut. Puis a baissé son regard. Et il s'est tu, car il ne voulait pas vexer cette femme, d'exprimer son refus devant ces gens, devant le groupe qui était avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui exprime son refus, ce n'est pas comme quelqu'un d'autre. Cela aurait pu blesser cette femme, la blesser
très profondément et le diable aurait pu jouer avec elle, wal'iyadu billah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par sa sagesse, a préféré se taire et baisser sa tête. Et au bout de la troisième fois, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé et a dit: « Ô envoyé d'Allah, marie-moi elle. » قال هل عندك من شيء؟ Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: as-tu quelque chose à lui donner, autrement dit à lui donner en dot, en guise de dot? Il a répondu non. قال اذهب فاطلب ولو خاتم من حديد. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: pars, va demander, va rechercher autour de toi, autour de ta famille, s'il n'y a pas une chose que tu pourrais donner en guise de dot, ne serait-ce qu'une bague en fer. Puis ce compagnon radhiyallahu anhu est parti et a demandé autour de lui, autour de son entourage, thumma, puis est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: je n'ai rien trouvé au envoyé d'Allah, même pas une bague en fer. Concernant le fait de porter une bague en fer, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'interdit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme qui portait une bague en fer et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit que cela était les bijoux des gens de l'enfer. Que c'était les bijoux des gens de l'enfer. Puis cet homme a jeté cette bague de fer, puis a pris une bague d'argent et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tué. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tué. Concernant ce hadith, pourquoi est-ce que le prophète sallam lui a demandé ne serait-ce qu'une bague de fer alors que la bague de fer, le fait de porter une bague en fer est interdit? Certains savants ont dit, ou plutôt il y a deux explications. La première, c'est que ce hadith a eu lieu, ou ce fait a eu lieu avant que l'interdiction de la bague de fer ne soit révélé. Autrement dit, que ce hadith-là précède le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit à l'homme de porter la bague en fer. Et la deuxième explication, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à cet homme de trouver ne serait-ce qu'une bague en fer pour la donner à sa femme, non pas pour qu'elle la porte, mais pour qu'elle soit en sa possession. Non pas pour qu'elle la porte, mais pour qu'elle soit en sa possession. Car lorsque le fait de porter une chose est interdit, est-ce que cela interdit le fait de l'avoir en sa possession? Non. Il est interdit aux hommes de porter une bague en or. Mais est-ce qu'il est autorisé à un homme d'avoir en sa possession une bague en or? Qu'est-ce qui interdit? Le fait de l'avoir en sa possession ou le fait de la porter? Le fait de la porter. Donc les savants ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce compagnon de trouver ne serait-ce qu'une bague en fer, non pas pour la donner à sa femme pour qu'elle la porte, mais pour que cette bague reste en possession de sa femme. Et concernant les montres en fer, est-ce qu'il est autorisé de les porter ou pas? Non. Les montres en fer, c'est autorisé ou pas? Ou bien il n'y a que les bagues qui sont interdites? Non. Non. Comment? La question a été posée à Cheikh Labani, rahimahullah. Il a dit le hadith parle de bagues et ne parle pas de montres ni autres. Il faut rester sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de porter une bague en fer et n'a pas interdit de porter les autres choses en fer. Et celui qui est interdit de porter des bijoux de fer doit apporter sa preuve. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la bague en fer fait partie des bijoux des gens de l'enfer. Mais est-ce que l'on comprend de ce hadith que tous les bijoux en fer sont des bijoux des gens de l'enfer? Non. Pourquoi étendre le hadith aux bijoux alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé
deux bagues. Vous avez saisi ou pas? C'est clair? Taïb. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: Hal ma'aka min al-Qur'an? Hal ma'aka min al-Qur'ani shay? As-tu du Coran en ta possession? Autrement dit, connais-tu du Coran par cœur? Connais-tu des sourates? Et le compagnon radiallahu anhu lui a répondu: oui, je connais telle et telle sourate. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: pars, je te marie avec elle pour ce que tu as comme Coran, pour ce que tu as du Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: pars, je te marie à elle pour ce que tu as comme Coran, c'est-à-dire que tu dois apprendre à cette femme ce que tu connais du Coran. Et ça va, on dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu dire par là que la dot de cet homme est le fait qu'il apprenne à sa femme ce qu'il connaît du Coran. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Non. Là, le silence de la femme, ce qui montre son acceptation. Parce que sinon, l'original, il ne peut pas me marier avec lui. Et ni là, les détails de la. Du aqd n'a pas été cité dans ce hadith. Et le hadith là, il est général. On n'a pas les détails de comment s'est passé le aqd dans les détails. Mais en aucun cas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait marié une femme sans son consentement. Alors que c'est lui qui a donné le choix à cette fille qui a été mariée de force de rester ou de quitter. Allah a'ala. Wa yajuzu ta'jilu as-sadaqi kullah. وتأخيره كله وتعجيل بعضه وتأجيل بعضه فإن دخل بها ولم يعطها شيئا جاز ووجب عليه لها مهر المثل إن كان لم يسمى لها مهرا فإن كان قد سمي لها مهرا أعطاها ما سماه والحذر كل الحذر من عدم الوفاء لها بما شرط لقوله صلى الله عليه وسلم أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. Hadith muttafaqun alayhi. Et il est autorisé de payer la dot entièrement, en une seule fois. De même qu'il est autorisé de retarder son paiement entièrement. De même qu'il est autorisé de payer une partie de suite et de payer une partie plus tard. فَإِنْ دَخَلَ بِهَا وَلَمْ يُعْتِهَا شَيْءٍ جَالِسٍ. Et s'il consomme le mariage sans ne pas lui avoir donné la dot, cela est autorisé. Cela est autorisé. وَوَجَبَ عَلَيْهِ لَهَا مِهْرُ الْمِثْلِ إِنْ كَانَ لَمْ يُسَمَّ لَهَا مَهْرُ. Et si le montant de la dot n'a pas été défini, alors on doit donner comme dot à cette femme le montant connu chez les proches de cette femme ou l'entourage de cette femme en fonction du pays et de la région où elle réside. Elle est en fonction des pays, la dot est connue. La dot moyenne est connue comme étant par exemple 1000 euros, 1500 euros, etc., etc. Si le montant de la dot n'a pas été fixé au moment du mariage, alors, le mari doit donner comme dot le montant connu chez les gens, dans l'entourage de la femme. فَإِنْ كَانَ قَدْ سَمَّ لَهَا مَهْرًا أَعْطَاهَا مَا سَمَّهَا. Et si le montant de la dot a été défini et déterminé, alors c'est une obligation pour le mari de donner cette somme bien définie et bien déterminée. وَالْحَذَرُ كُلَّ الْحَذَرُ مِنْ عَدَمِ الْوَفَاءِ لَهَا بِمَا شَرَطْ. Et prenez garde et faites attention à ne pas donner l'argent qui a été décidé. C'est un grand péché de ne pas donner la dot à sa femme. L'islam, alhamdoulilah, nous donne des facilités. Tu as la possibilité de donner la dot en une seule fois, dès le début. Tu as la possibilité de retarder le paiement. Tu as la possibilité de payer une partie de suite
puis une partie plus tard. Tu as même l'autorisation de consommer le mariage avant d'avoir donné la dot. Mais en aucun cas tu ne dois délaisser cette obligation. Tu dois donner cet argent et plus vite tu le donneras et mieux ce sera pour toi. لقوله صلى الله عليه وسلم أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. Pourquoi est-ce que cela est fortement recommandé et qu'il est fortement interdit de ne pas donner la dot à sa femme? C'est la parole du prophète صلى الله عليه وسلم qui dit: l'engagement qui a l'engagement que vous avez prononcé et qui a le plus le droit d'être respecté est l'engagement que vous avez pris et qui rend licite les parties génitales. Dans ce hadith, le prophète sallam a considéré al-mahr comme étant la chose, la dot comme étant la chose qui autorise et qui rend licite la partie génitale de ton épouse. Et le prophète sallam fait un appel dans ce hadith et ordonne en disant: vous donnez des engagements. Le prophète sallam sait que chacun d'entre nous donne des engagements en fonction des situations, etc. Mais l'engagement que la personne donne et qui a le plus de droits et qui doit être respecté et accompli plus que les autres, c'est l'engagement que tu as pris envers ta femme concernant la dot. فإن مات الزوج بعد العقد وقبل الدخول فللمرأة المهر كاملا. Et si le mari meurt après l'acte de mariage et avant la consommation, alors il appartient, la dot appartient à la femme dans sa totalité. Lorsqu'un homme divorce d'une femme avant avoir consommé le mariage, la dot revient-elle à la femme ou pas? Non. Il y a deux cas. Non. Soit il lui rend tout, soit de moitié. Soit garde la moitié, lui rend la moitié. Non. Lorsque le mariage a été consommé, lorsqu'une personne, un homme divorce de sa femme après que le mariage ait été consommé, la dot revient en totalité à la femme. Lorsque l'homme divorce de sa femme avant d'avoir consommé le mariage, alors la moitié de la dot revient à la femme. Et lorsque la femme s'est mariée, n'a pas consommé le mariage et que son mari décède, alors la totalité de la dot lui revient. La preuve, an ilqimah qal ou an ilqimah qal uti Abdullah fi mara'atin تزوجها رجل ثم مات عنها ولم يفرض لها صداقا ولم يكن دخل بها قال فاختلفوا إليه فقال أرى لها مثل مهر نسائها ولها الميراث وعليها العدة فشهد معقل بن سنان الأشجعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع أو بروع بنت واشق بمثل ما قضى حديث صحيح رواه الترمذي وابو داود وابن ماجه والنسائي. Quelle est la preuve que la dot revient entièrement à la femme qui est mariée avant que le mariage ne soit consommé et qui a perdu son mari? La preuve, c'est selon Ilqimah radiallahu anhu qui dit que l'on a apporté à Abdullah, c'est-à-dire Abdullah ibn Mas'ud, une femme qui était mariée à un homme puis qui est décédé. وَلَمْ يَفْرِدْ لَهَا صَدَاقًا. Sans
que cet homme n'ait défini de dot, sans que cet homme n'ait défini ou n'ait déterminé le montant de la dot ou la valeur de la dot. Walam yakun dakhala biha, et sans que cet homme n'ait consommé le mariage. Qala fakhtalafu ilayhi, et ils se sont divergés. Plusieurs personnes sont venues voir Abdullah ibn Mas'ud concernant ce sujet pour lui questionner, pour lui demander son avis, car il faisait partie des compagnons radiallahu anhum, de ceux qui avaient le plus de science. Faqala ara laha mithla mahri nisa'iha, je pense, ou mon avis est, que sa dot est la dot similaire à ses femmes, c'est-à-dire aux femmes de son entourage, aux femmes de sa région ou de sa ville. Walaha al-mirath, et elle hérite de son mari. Wa alayha al-iddah, et elle doit observer la période de 4 mois et de 10 jours. فشهد معقل ابن سنان الأشجعي، ابن معقل ابن سنان الأشجعي رضي الله عنه، attesté que le prophète صلى الله عليه وسلم a fait le même jugement sur une femme رضي الله عنها qui est appelée بروعة بنت واشق ou بروعة بنت واشق، les deux sont valables بمثل ما قضى، que le prophète صلى الله عليه وسلم a émis le même jugement sur cette femme. طيب متى يستحب البناء؟ متى يستحب البناء؟ Quand est-ce que il est préférable de consommer le mariage؟ البناء أي الدخول على الزوجة. عن عائشة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني وكانت تستحب أن يدخل نساؤها في شوال. حديث صحيح رواه مسلم والترمذي. Quand est-ce qu'il est préférable de consommer le mariage؟ Selon عائشة رضي الله عنها elle dit le prophète صلى الله عليه وسلم s'est marié à moi ou s'est marié avec moi pendant le mois de Shawwal. C'est-à-dire qu'il a fait l'acte de mariage dans le mois de Shawwal. وَبَنَا بِي فِي شَوَّال, et le prophète sallam a consommé le mariage le mois de Shawwal. فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي وكان تستحب أن يدخل نساؤها في شوال. Et quels sont فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني. Et quelles sont les femmes du prophète صلى الله عليه وسلم qui étaient plus appréciées chez le prophète صلى الله عليه وسلم que moi. وكان تستحب أن يدخل نساؤها في شوال. Et عائشة رضي الله عنها jugé préférable et recommandé que ces femmes, autrement dit, les femmes de son entourage, les femmes de son entourage, qu'elles consomment leur mariage le mois de Shawwal. Et les savants ont dit que Aïcha radiallahu anha a insisté sur le mois de Shawwal, car pendant la Jahiliya, pendant la période anté-islamique, pré-islamique, les associateurs prenez le mois de Shawwal comme un mois de malheur. Comme un mois de malheur. Ils prenaient ça comme at-tatayyur. Comme at-tatayyur. Comme certains prennent, par exemple, le corbeau noir comme quelque chose de mauvais. Lorsque tu vois un corbeau noir passer à proximité de toi, ou un chat noir, etc., alors cela signifie qu'il va t'arriver un malheur, etc., etc. Ou de passer sous une échelle, où certains considèrent des choses, d'autres considèrent des laps de temps comme le vendredi 13, que c'est un jour de malheur, etc. Cela n'a aucune origine en islam, c'est même du shirk. Le professeur Hassan a dit « At-tiyaratu minash shirk ». Et à l'époque, il regardait, avant de partir en voyage, il regardait le ciel,
Lorsque les oiseaux viraient à droite, cela était bon signe, ils continuaient leur voyage. Lorsque les oiseaux viraient à gauche, cela était un mauvais signe pour eux, que leur voyage allait connaître plus de malheur qu'autre chose, que le but de leur voyage, si c'était du commerce, n'allait pas être fructueux, etc. Cela est appelé en arabe « at-tatayyur » et cela est interdit, fait partie du shirk. Et pendant la période anti-islamique, ils considéraient que ceux qui se mariaient le jour de Shawwal, eh bien que leur mariage ne sera pas réussi. Que leur mariage ne serait pas réussi. Et Aïcha radiallahu anha a insisté ainsi sur le mois de Shawwal et sur le fait qu'elle conseillait aux femmes de son entourage de se marier le mois de Shawwal et de consommer le mariage le mois de Shawwal pour lever toute ambiguïté et pour montrer que cette croyance était fausse et n'avait aucune relation avec l'islam. Ma yustahabbu fi'luhu idha dakhala 'ala zawjatihi. Qu'est-ce qu'il est préférable de faire lorsque l'homme consomme le mariage avec sa femme? Et l'auteur a mis en astérix que ce qu'il va citer comme fait est un résumé du livre Adab al-Zafaf de Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala. Les règles du mariage du Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala. يستحب له أن يلاطفها كأن يقدم إليها شيئا من الشراب ونحوه من الشراب ونحوه لحديث أسماء بنت يزيد قالت إني قينت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جئته فدعوته لجلوتها فجاء فجلس إلى جنبها فأتي بعس لبن فشرب ثم ناولها النبي صلى الله عليه وسلم فخفضت رأسها واستحيت قالت أسماء فانتهرتها وقلت لها خذي من يد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت فأخذت فشربت شيئا. Donc il est préférable d'être doux et gentil avec son épouse lorsque l'on est avec elle. كان يقدم إليها شيئا من شراب من الشراب ونحوه comme de lui offrir à boire ou autre. La preuve est le hadith de Asma bint Yazid qui dit que j'ai préparé et j'ai embelli Aïcha radiallahu anha au prophète sallallahu alayhi wa sallam. ثم جئته فدعوته لجلوتها puis je suis venu et j'ai invité le prophète sallallahu alayhi wa sallam à venir à ses côtés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu et s'est assis à côté de Aïcha radiallahu anha. Puis on lui a apporté un récipient qui contenait du lait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bu de ce récipient, puis a tendu ce récipient à Aïcha radiallahu anha, qui a baissé sa tête, par honte. Elle avait honte et était gênée. Et Asma radiallahu anha lui a dit: prends ce récipient de la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a alors pris ce récipient et a bu de ce lait. Hadith authentique, ou plutôt rapporté par Al-Humaydi, et que Cheikh Al-Albani rahimahullah a cité dans son livre Adab al-Zafaf. Donc dans ce hadith, il est demandé à l'homme d'être doux et d'être attentionné et d'offrir à boire ou à manger, de mettre à l'aise son épouse avant la consommation du mariage. وينبغي أن يضع يده على مقدمة رأسها ويسمي الله تعالى ويدعو بالبركة ويقول ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليأخذ بناصيتها وليسمي الله عز وجل وليدعو بالبركة وليقول اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. Et il est demandé à l'homme de poser sa main sur le dessus de la tête de la femme et de dire bismillah et d'invoquer
la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala et de dire, comme cela est rapporté dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'un d'entre vous se marie à une femme ou achète un esclave, qu'il le tienne ou qu'il la tienne par le devant de sa tête et qu'il cite le nom d'Allah en disant Bismillah wa liyad'u bil barakah, et qu'il invoque la bénédiction sur lui et sur sa famille, comme de dire par exemple Allahumma barik li wa barik li fi ahli. Puis le professeur Sam a dit, et de dire, et qu'ils disent, ô Allah, je te demande son bien et le bien que tu as créé en elle, et je demande la protection contre son mal et le mal que tu as créé en elle. Hadith authentique, hadith jugé bon, Hassan, et rapporté par Abu Daoud et Ibn Majah. Il est demandé à l'homme d'enseigner cette invocation à sa femme pour ne pas qu'elle soit surprise, car cela pourrait mal se passer si ta femme t'entend invoquer et dire à Allah subhanahu wa ta'ala, je te demande ta protection contre son mal et le mal que tu as créé en elle. Elle risquerait de mal le prendre. Donc soit tu le dis à voix basse, ou soit tu lui informes de cette sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de dire ainsi avant la consommation du mariage. ويستحب لهما أن يصلي ركعتين معا لأنه منقول عن السلف وفيه أثران. Et il est également recommandé aux époux de prier deux rak'at ensemble, l'homme devant et la femme derrière. لأنه منقول عن السلف, car cela a été rapporté par les salaf رضي الله عنهم. Et il y a à ce sujet deux athar. الأول عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال تزوجت وأنا مملوك فدعوت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ابن مسعود وأبو ذر وحذيفة قال وأقيمت الصلاة قال فذهب أبو ذر ليتقدم فقالوا إليك قال أو كذلك قالوا نعم قال فتقدمت بهم وأنا عبد مملوك وعلموني فقالوا إذا دخل عليك أهلك فصل ركعتين ثم سل الله من خير ما دخل عليك وتعوذ به من شره ثم شأنك وشأن أهلك. حديث سنده صحيح أو أثر سنده صحيح رواه ابن أبي شيبة. Le premier athar rapporté des salafs concernant le fait qu'il est légiféré de prier deux rak'at aux époux, c'est le hadith, c'est la parole d'Abu Saïd, Mawla Abi Asid, qui dit que je me suis marié en étant esclave. Et j'ai invité des personnes, parmi eux, des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, et figuré, entre autres, Ibn Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud, Abu Dhar al-Ghifari, et Hudhayfa, Hudhayfa ibn al-Yaman, radiyallahu anhum. Qala, et Abu Sa'id a dit, et l'appel à la prière a été fait. Qala fa dhahaba Abu Dhar liyataqaddam. Et Abu Dhar, radiyallahu anhum, s'est avancé pour présider la prière. Alors qu'ils étaient chez Abu Sa'id, ils étaient invités à son mariage. Faqalu ilayk, et les compagnons du prophète sallam ont dit non. Que fais-tu? Qala aw kadhalik, il leur a dit ah bon? Ils lui ont dit que fais-tu, car on avait déjà vu cela durant le chapitre de la prière, que lorsque on est invité chez quelqu'un, qui a le plus de droit de présider la prière? Le propriétaire de la maison. On avait cité le hadith du professeur Hassam à ce sujet. Fataqaddamtu bihim wa ana 'abdun mamluk. Et Abu Sa'id radiyallahu anhu a dit, et je me suis avancé pour présider la prière alors que j'étais un esclave.
وعلموني, puis ils m'ont enseigné. Ainsi étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils respectaient les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses jugements et les appliquaient quelles que soient les circonstances. Abdullah ibn Mas'ud, Hudayfat ibn al-Yaman, Abu Dhar al-Ghifari, parmi les plus grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont appliqué la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam quant au fait que lorsqu'ils sont invités, c'est le propriétaire de la maison qui mérite le plus de présider la prière, même si c'est un esclave. Radiallahu anhum. وعلموني, puis ils m'ont enseigné et m'ont dit, lorsque tu seras en présence de ta famille, prie de rak'at, puis demande à Allah subhanahu wa ta'ala le bien de ta famille. Autrement dit, demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il t'accorde le bien de ta femme. وتعوذ به من شره, et demande la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le mal de ta famille. ثم شأنك وشأن أهلك, puis entre toi et ta famille, puis يعني ensuite le reste ne regarde que toi et ta femme. الثاني, le deuxième athar, عن شقيق قال جاء رجل يقال له أبو حريز فقال إني تزوجت جارية شابة بكرة وإني أخاف أن تفركني فقال عبد الله يعني ابن مسعود إن الإلف من الله والفرك من الشيطان يريد أن يكره إليكم ما أحل الله لكم فإذا أتتك فأمرها أن تصلي وراءك ركعتين زاد في رواية أخرى عن ابن مسعود وقل اللهم بارك لي في أهلي وبارك لهم في اللهم اجمع بيننا ما جمعت بخير وفرق بيننا إذا فرقت إلى خير. أثر سنده صحيح رواه ابن أبي شيبة. Le deuxième أثر, selon Shaqiq, il dit, un homme appelé Abu Hurayz est venu et a dit, je me suis marié avec une jeune fille vierge et j'ai peur qu'elle m'énerve. Antafrakani. Pourquoi est-ce qu'il a dit cela? Car c'est une impression qu'il avait eue. Et Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, lui a dit, inna al-ilfa min Allah. La tranquillité et la sérénité vient d'Allah, wal firka min ash-shaytan, et l'énervement vient du diable. Yuridu an yukarriha ilaykum ma ahalla Allah lakum. Il veut vous faire détester ce qu'Allah vous a autorisé. Donc cet homme qui pensait que sa femme allait l'énerver, ses pensées venaient de qui? Venaient de Shaitan. Ses pensées venaient de Shaitan qui voulait faire détester à cet homme quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu, ou plutôt qu'Allah subhanahu wa ta'ala a autorisé à cette même personne. Et ainsi Shaitan, il embellit les mauvaises choses et rend les bonnes choses difficiles. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِ المكاره وحفت النار بالشهوات. Le paradis est entouré de choses, de contraintes et de choses détestables, et l'enfer est entouré de tentations et de choses qui attirent les gens. Donc c'est la fonction du diable d'attirer les gens vers l'enfer et de les éloigner du paradis, cela en leur faisant embellir les désobéissances à Allah subhanahu wa ta'ala et en leur faisant endurcir et rendre difficiles les choses qui rapprochent les serviteurs d'Allah Azza wa Jal. Fa'ida atatka fa'amurha an tusalli wara'aka raka'atayn. Puis Abdullah ibn Mas'ud lui a dit, après lui avoir informé que le diable rendait ou essayait de faire détester des choses qu'Allah autorise, puis lorsqu'elle viendra à toi, dis-lui alors de prier derrière toi deux raka'at. Et dans une autre version, selon Abdullah ibn Mas'ud, il lui a dit, et dit, Allahumma barik li fi ahli, oh Allah,
bénis-moi dans ma famille, wa barik lahum fiya, et bénis-les en moi. Allahumma ajma' baynana ma jama'ta bi khair, oh Allah, réunis-nous tant que notre union est dans le bien, wa fariq baynana idha faraqta ila khair, et sépare-nous si dans ta séparation, si la séparation se fait vers un bien. وينبغي أن يقول حين يجامعها بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا قال صلى الله عليه وسلم فإذا قضي بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا حديث متفق عليه. Et il est demandé à l'homme avant de faire l'acte, avant de consommer le mariage, de dire بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. Au nom d'Allah, oh Allah, épargne-nous le diable et épargne ce que tu nous épargne du diable ce que tu nous accorderas. C'est-à-dire un enfant. قال le prophète صلى الله عليه وسلم a dit فإن قضي بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. Et si suite à ce rapport, eh bien, un enfant viendra, eh bien, cet enfant ne sera jamais atteint par le diable. Donc, il est recommandé à l'homme de toujours dire cette invocation avant d'avoir un rapport avec son épouse, de dire « Bismillah, Allahumma jannibna shaytan, wa jannibi shaytan ma razaqtana » car le prophète sallam a promis que le diable n'aura pas d'influence et ne portera pas atteinte à l'enfant qui sera conçu ce jour-là ou ce soir-là. ويجوز أن يأتيها في قبولها من أي جهة شاء ومن خلفها أو من أمامها لقوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم أي كيف شئتم مقبلتان ومدبرة. Il est autorisé d'avoir des rapports uniquement dans l'endroit autorisé par Allah subhanahu wa ta'ala, et ceci quelle que soit la position, de devant ou de derrière, car Allah subhanahu wa ta'ala a dit vos épouses sont pour vous un champ de labour, allez à votre champ comme vous le voulez. Et c'est-à-dire comme vous le voulez, de devant comme de derrière. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donné une image et a dit vos épouses sont pour vous comme un champ de labour. Un champ de labour, un champ qu'on laboure. Et on ne laboure qu'un champ qui donnera des fruits. Est-ce que cela sert à quelque chose d'aller labourer dans le désert et d'aller arroser le sable? Est-ce que ça va apporter quelque chose? Non. Allah subhanahu wa ta'ala a dit فَأْتُوا نِسَاءُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ. Al-harf, c'est une terre qui donne des fruits, une terre qui produit. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donné une image en disant فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ. Yani, rendez-vous dans le champ ou utilisez le champ comme vous le voulez. C'est-à-dire utiliser le champ, c'est-à-dire utiliser l'endroit chez la femme d'où sort l'enfant. Et cet endroit, yani, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu dire par là le vagin de la femme. C'est le seul endroit qui est permis à l'homme, et quelle que soit la position, du moment que c'est toujours dans cet endroit. Et quand, et il ne faut pas comprendre par derrière d'avoir des rapports pas autre que le vagin, car cela est interdit. La sodomie est un grand péché en islam, et l'endroit dans lequel ceux qui font la sodomie s'introduisent, est-ce que c'est un endroit qui produit ou est-ce que c'est un endroit de saleté? C'est un endroit
d'où les excréments sortent. Et c'est la fonction de cet orifice, c'est de faire sortir les impuretés de l'être humain. Et quand à l'autre endroit qui est autorisé, cela est un endroit d'où sort l'enfant. Et c'est ce qui correspond à la métaphore qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnée en parlant du champ, un champ de labour qui donnera, bi'idhnillah ta'ala, les fruits espérés. وعن جابر رضي الله عنه قال كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. Et selon Jabir رضي الله عنه, il dit, les juifs disaient, lorsqu'un homme a des rapports avec sa femme par derrière mais toujours dans l'endroit autorisé, que l'enfant qui naîtra sera louche ou il biglera. Il biglera ou louchera. Non, il louchera plutôt que sera louche. Il louchera ou biglera. فَنَزَلَتْ نِسَاءُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّ شِئْتُمْ. Et à ce moment, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à son professeur sallam le verset: vos femmes sont pour vous des champs de labour, allez ou parcourez ces champs comme vous le voulez. Autrement dit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a autorisé un endroit, et yani, parcourez cet endroit comme vous le voulez, quelle que soit la position que vous aimerez. وعن ابن عباس قال كان الحي من الأنصار وهم أهل وثن مع هذا الحي من يهود وهم أهل كتاب وكانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم وكان من أمر أهل الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا على حرف وذلك أستر ما تكون المرأة فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحا منكرا ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار فذهب يصنع بها ذلك فأنكرته عليه وقالت إنما كنا نؤتى على حرف فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني حتى شري أمرها فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم أي مقبلات ومدبرات ومستلقيات يعني بذلك موضع الولد. Et selon Abdullah ibn Abbas رضي الله عنه, il dit, il y avait un quartier parmi l'Ansar, وهم أهل وثن مع هذا الحي من يهود وهم أهل كتاب وكانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم. À l'époque, l'Ansar vivait dans un quartier à proximité d'un autre quartier où vivaient des Juifs. Et les Juifs sont des gens du livre. Et l'Ansar à l'époque adorait des divinités. فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم. Et l'Ansar imitait les Juifs dans beaucoup de leurs faits et gestes, car ils les considéraient comme étant des gens de science. Ils considéraient les Juifs qui étaient des gens de livres comme étant des gens instruits et qui avaient de la science. وكان من أهل وكان من أمر أهل الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا على حرف. Et parmi les choses que faisaient ces gens du livre, c'est qu'ils n'avaient de rapport avec leurs femmes que en position couchée. وذلك أستر ما تكون المرأة. Car ils disaient que c'est ce qui cachait le mieux la femme. فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم. Et ce quartier de l'Ansar a pris cela ou a été
imprégné de ce qui de ce que faisaient ces juifs. وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحا منكرا ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومسترقيات. Et quant à Quraysh, eux faisaient autrement durant leur rapport avec leurs femmes, ils utilisaient ou pratiquaient plusieurs positions, que ce soit devant, derrière ou sur le côté. فلما قدم المهاجرون المدينة. Et lorsque المهاجرون sont arrivés à Médine, تزوج رجل منه من الأنصار امرأة من الأنصار. Un homme parmi eux s'est marié avec une femme parmi l'Ansar. فذهب يصنع بها ذلك. Et cet homme de Quraysh a voulu pratiquer avec sa femme de l'Ansar ce qui était connu comme pratique chez eux. فَأَنْكَرَتْهُ عَلَيْهِ. Elle lui a reproché cela et lui a dit, nous ne faisons des rapports, la femme n'étant que couchée. فَصْنَعْ ذَلِكْ وَإِلَّا فَاجْتَنِبْنِي. Fais cela ou alors délaisse-moi. حَتَّى شَرِيَ أَمْرُهَا. Jusqu'à ce que cela soit parvenu au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le verset: vos femmes sont des champs de labour pour vous, allez dans ces champs comme vous le désirez. Ay muqbilatin wa mudbiratin wa mustalqiyat, c'est-à-dire de devant, de derrière ou sur le côté. Ya'ni dhalika mawdi' al-walad, c'est-à-dire toujours dans l'endroit où l'enfant sortira. Et cette explication, c'est une explication d'Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu. وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَهَا فِي دُبُورِهَا لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ إِمْرَأَةً فِي دُبُورِهَا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ. Il est interdit d'avoir des rapports où il est interdit de pratiquer la sodomie. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui a des rapports avec une femme qui a ses menstrues, ou qui a des rapports, ou qui pratique la sodomie, ou qui va voir un astrologue et croit en ce qu'il lui a dit, فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ. Il a alors mécru en ce qui a été révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire le Coran, c'est-à-dire le Coran. Et concernant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ, il a alors mécru sur ce qui a été révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les savants ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela pour montrer la gravité de ses actes, mais que celui qui fait ses actes ne sort pas de l'islam, que c'est une petite mécréance, ce n'est pas une grande mécréance qui sort de l'islam. Et parmi les preuves de cela, c'est que celui qui a des rapports avec sa femme qui a des menstrues, qu'est-ce qu'on avait vu à ce sujet? Quelle expiation il a à faire? Non. Il y a 40 ans, c'est pas. بدينار أو نصف دينار أحسنت. Ça, vous avez oublié que celui qui a des rapports avec sa femme qui a ses menstrues, l'expiation c'est qu'il donne un dinar ou la moitié d'un dinar. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne une expiation à celui qui a des rapports avec sa femme qui a ses menstrues, cela prouve que cette personne est musulmane et qu'elle ne sort pas de l'islam, sauf dans un cas où lorsque la personne l'autorise, lorsque la personne considère cela comme autorisé, autorise une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdite. Dans ce cas, il devient mécréant et il sort de l'islam. Wal'iyadu billah. Wa naktafi bihadha al-qadr wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Naam.